Alors pour cette société qui idéale où le progrès donc social et environnemental ne ferait plus qu'un, on va parler d'abord du développement du lien avec les citoyens. C'est Daphné, je crois, pour Euryops Occitanie qui va commencer. Ça marche pas, si c'est bon? Ok. Donc bonjour, moi je suis en service civique depuis quelques mois dans une association qui est conventionnée par l'URIOPS en Occitanie. Et on s'est retrouvés avec des collègues service civique également, tous, Parlez voilà. bien fort parce que je suis pas sûre qu'on vous entende partout. On s'est retrouvés avec des Merci. collègues service civique également, tous âgés d'une vingtaine d'années, pour discuter et débattre de ces questions de démocratie, citoyenneté. Donc, dans un premier temps, nous avons constaté un problème de représentativité des hommes et des femmes politiques actuellement. Voilà, il semble qu'un fossé s'est creusé entre les élus et le peuple. Par exemple, dans le vocabulaire qui peut être employé, qui semble tenir beaucoup de personnes à distance des questions qui les concernent et qui se retrouvent à faire des choix sur des critères superficiels. On s'est aussi demandé pourquoi il n'y avait pas de personnes de la société civile, comme vous et moi, qui avaient une sensibilité politique et des idées qui pourraient être élues. Donc, dans les propositions auxquelles on a essayé de réfléchir, voilà, on s'est dit qu'il faudrait être peut-être plus transparent, plus compréhensible dans les projets, les lois, en adoptant un langage accessible à tous d'abord. Peut-être aussi, voilà, mettre en place des référendums accompagnés d'une information large sur les enjeux pour chacun, afin qu'elle soit accessible à tous, notamment voilà, relayée par les médias indépendants. Donc, dans un deuxième temps, voilà, un autre problème qu'on a travaillé, c'est le fait que le vote n'était pas finalement la seule expression de la démocratie et de la citoyenneté. La participation régulière de toutes et tous à la vie politique doit être possible. Donc, en première proposition, on a évoqué la prise en compte du vote blanc. Surtout quand celui-ci voilà, est important et du coup se retrouve dans l'abstentionnisme, par exemple, afin d'amener les candidats à revoir leurs projets et leurs programmes. La deuxième proposition serait d'amener la population à s'investir, à s'intéresser à la politique en tant que citoyen dès l'enfance. Et voilà, pour terminer, on s'est dit qu'il était important de reconnaître l'expression dans les divers rassemblements locaux, par exemple, comme faisant partie intégrante de la vie d'une démocratie, dans des manifestations, ou dans des débats, comme on en a tenu un il y a quelques semaines. Voilà. Merci Daphné. Valentin pour Aurore. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de prendre la parole devant vous, j'ai besoin de vous partager qu'ici et maintenant, j'ai peur de parler. Merci. Ce qu'on a pu constater, merci, au niveau des différents groupes de travail dans la structure, dans l'association Aurore, c'est un manque d'information et de transparence, qu'il y a un réel danger par la pollution et la perte de la biodiversité, en tout cas pour ce qui concerne la France. La nécessité d'améliorer les transports en zone urbaine et rurale. Les solutions qu'on propose, c'est de prioriser les actions de développement durable, développer des politiques d'information et d'éducation des adultes et des enfants, surtout via l'école notamment, favoriser les circuits courts, le commerce équitable, interdire les produits dangereux, les plastiques, le glyphosate. Investir sur les transports en commun, les aménagements de circulation douce. Merci. Merci Valentin. Ça va mieux? Après Valentin, Élodie pour le foyer Péan de Mulhouse. Bonjour. Les jeunes savent ce que c'est l'écologie et veulent préserver la planète dans des différents domaines. Le tri des déchets, la déforestation, l'abus des pesticides,
la sauvegarde de la faune et de la flore. Nous avons trouvé des solutions. Malgré un sentiment d'impuissance, si chacun fait un geste responsable, la planète se portera mieux. Ne pas jeter les papiers par terre, trier les déchets, plastique, carton, papier, verre, etc. Il y a du boulot là, hein, je peux vous dire. Stopper la déforestation. La forêt est un milieu naturel où vit une multitude d'espèces animales. Punir sévèrement les braconniers, des espèces en voie de disparition et le trafic d'ivoire. Merci. Merci Élodie. Au CNPA de nous dire quelle question est validée. Alors, éduquer au respect de l'environnement dès l'école. Tout le monde est d'accord ? Enfin, beaucoup d'entre vous êtes d'accord. Bien. Encourager les circuits courts, c'est le deuxième point qu'on va soulever avec le CRPA BFC. Je crois que c'est Claude, c'est ça ? Qui va nous en parler ? C'est bien ça ? Où est Claude ? Il ne marche pas. Ah, c'est bon, merci beaucoup. Alors, Claude, CRPA Bourgogne-Franche-Comté. Recréer du lien social et de proximité sur les territoires. Constat. Pendant que des personnes peinent à trouver à manger, à trouver un toit et à se vêtir, nous assistons au grand gaspillage de nos ressources au nom de la consommation de masse. Pendant que les personnes précaires achètent du premier prix, notre agriculture est polluante. Nos aliments sont pollués et le bio n'est pas toujours accessible en raison de son coût et du manque d'informations. Excusez-moi de bégayer un petit peu parce que j'ai un peu de mal à parler en public. C'est une course à la rentabilité à laquelle nous assistons. Les banques financent des produits polluants. Tout le monde le sait, personne ne fait rien, bien sûr. Par ailleurs, combien de personnes invisibles vivent-elles dans des logements passoires énergétiques, propriétaires d'une maison de fortune ou locataires d'un marchand de sommeil qui les arnaque ? Tout le monde le sait, personne ne fait rien. La question écologique, c'est en fait la question de la solidarité. Il faut recréer du lien social et de proximité sur les territoires au bénéfice des personnes les plus précaires. Les solutions que nous proposons, baisser du coût pour les fluides, eau, gaz, électricité, et faciliter l'accès aux démarches et aux moyens financiers de rénovation et de nouvelles constructions de logements. Limiter l'élevage et l'agriculture industrielle et mieux subventionner le bio. Développer les jardins partagés, les ateliers d'autoréparation, le marché d'occasion et le fait maison. Suspendre les importations de produits agroalimentaires non conformes aux normes imposées à nos agriculteurs. Investir dans la santé et la solidarité. Développer une politique écologique courageuse et encourager les banques à investir dans des projets de développement durable et de circuits courts. Merci beaucoup. Merci à vous, Claude. Gamal pour le SAMU social de Paris. Oui, ça fonctionne, merci. Alors, de manière générale, l'écologie est un sujet appelant à légiférer plus vite et à être plus ambitieux. Il est relié au sujet de l'alimentation bio. Tout le monde veut du bio. Le manger mieux est un enjeu de santé publique. Les solutions. Appliquer une exemplarité dans les centres d'hébergement concernant la transition écologique. Favoriser les circuits courts concernant l'alimentation dispensée dans les centres d'hébergement en créant des partenariats avec des agriculteurs locaux, exemple cadre de la MAP, qui serait également l'occasion pour les personnes de s'investir et de transmettre des savoirs aux plus jeunes. Favoriser la cuisine faite sur place par les personnes elles-mêmes. Réduire la consommation de plastique, gobelets durs, consignes pour le verre, privilégier les gourdes aux bouteilles plastiques. Fabriquer les produits de nettoyage sur place. Mener des ateliers de sensibilisation à l'écologie. Favoriser le fait main
et la récup, l'utilisation d'invendus, exemple marché de Rungis, la mise en place de compost et le tri de déchets. La nature n'est pas loin, mais pas accessible. Favoriser l'accès à la campagne et au séjour de nature, exemple avoir un lieu de vacances hors de Paris, et réinvestir les jardins ouvriers ainsi que les toits de Paris. Valoriser les bifins qui récupèrent et recyclent, ce sont des vrais promoteurs et des circuits courts. Il faudrait leur permettre une meilleure visibilité dans les marchés. Proposition, augmenter les aides liées au bio afin qu'ils soient accessibles à tous. Merci. Merci Gamal. Azedine pour Emmaüs Solidarité. Oui. Alors bonjour tout le monde. Donc tout ce qui concerne pauvreté et alimentation. Donc il y a des constats. Alors, premier constat, c'est un poids trop lourd dans le budget des ménages. Des restrictions budgétaires qui impactent le poste alimentation dans les structures. Et après, les solutions sont... Donc, première solution, c'est favoriser les circuits courts. Exemple, pourquoi ne pas manger local et de saison? Alors, là, je rapporte une remarque qui a été faite. Rue Daguerre à Paris, un exemple, le prix des cerises est de 33 euros le kilo hors saison. C'est une importation qui vient de l'étranger, des États-Unis. Donc, je ne sais pas si c'est normal pour tout le monde, mais pour moi, ce n'est pas normal. Deuxième point, éduquer et lutter contre le gaspillage. Jouer sur les prix des produits en limite consommation, exemple, légumes secs. Dernier point, l'éducation à l'école sur ces sujets, cuisine collective, préparation individuelle. Merci. Merci. La question de validation par le CNPA. Exemplarité des centres d'hébergement concernant la transition écologique, alimentation de qualité et lutte contre le gaspillage. Là aussi, unanimité. Oui, vous pouvez voter, bien sûr. Vous êtes d'accord aussi? Bien sûr, vous pouvez voter. La protection des lois environnementales avec Jocelyn Duriops Occitanie. Donc nous on a eu plusieurs propositions, donc je suis donc de l'URIOPS. On a pensé donc pour les déchets au compost. Donc c'est très simple à notre avis de mettre des composteurs à l'endroit où on met les poubelles. Ça serait quelque chose de simple à faire à notre sens. Pareil au niveau des déchets, moins d'emballage dans les grandes surfaces. Donc, par exemple, on a des magasins bio avec du vrac, énormément de vrac. Il nous semble que ça serait simple de mettre ça en place également dans les grandes surfaces. Sur l'alimentation, ça a déjà été dit, les jardins partagés, ça permettrait une certaine indépendance, une certaine autonomie des quartiers. Vis-à-vis de l'alimentation, ça permettrait de manger deux saisons en plus. Voilà sur l'alimentation. On a également pensé aux transports, les transports en commun qui pourraient être des transports électriques. Et puis pour finaliser tout ça, on a pensé que au niveau gouvernemental, on sait que tous les 5 ans, on a un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement écologique avec un nouveau représentant et qu'à chaque fois, les lois, le successeur souvent efface ce qui a été fait auparavant ou change ou modifie. Donc nous, on pensait que ça serait bien qu'il y ait un gouvernement durable de l'écologie qui soit indépendant justement du gouvernement classique. Afin de pouvoir faire perdurer sur la longueur, sur le temps, les propositions de loi. Voilà. Merci Jocelyn.
Jocelyn, je vois que vous êtes multiplié par deux sur mon conducteur. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez encore une intervention à faire? Non, c'est fini? Je l'entends pas. C'est fini. C'est fini, hein? Oui. Non, il y a. Encore j'ai tout fait. Ah, encore une. Comme je vous vois pas, c'est compliqué. Il a fini. Bon, très bien. De meilleurs transports en commun. Alors, en compagnie de François du CHRS William Bousse. Merci. Nous avons constaté que le transport, surtout le transport commun, devient de plus en plus repris, augmente chaque année. Et nous avons proposé de mettre en place dans certaines villes ou au niveau régional de systèmes de transport gratuits comme ça se fait dans les villes comme Aubagne où les bus sont gratuits. Et nous avons aussi proposé de réduire les prix, surtout les prix de métro ou de bus actuels. Les prix c'est trop cher et chaque année ça monte. Nous avons proposé la réduction, voire fixer un forfait, surtout pour les familles nombreuses. Et nous avons proposé aussi de pouvoir construire ou aménager des espaces pour des vélos, ce qui contribuerait aussi à l'écologie. Merci. Merci à vous. Azedine pour Emmaüs Solidarité. Alors, donc les amendes dans les transports sont excessives au regard du prix du billet est appliqué systématiquement sans tenir compte de nos situations double peine. Les constats. Alors, complexité et difficulté quand on prend plusieurs types de transports pour un même trajet. Une cartographie inégale. Des prix sont trop élevés. Durée des trajets trop longs en Île-de-France. Manque de transport après certaines heures. Soirée, week-end et inadaptation avec horaire de travail déclaré. Des horaires qui changent pendant les vacances scolaires. Les demandeurs d'emploi ne bénéficient pas de l'aide employeur qui prend en charge 50% du titre de transport. Restriction incompréhensible du dispositif solidaire transport. Existence d'une gratuité des transports pour certaines personnes retraitées, par exemple. Manque d'informations sur les transports. Difficulté de reconnaître un permis de conduire étranger, de le passer en France et d'acquérir un véhicule. Coût exorbitant, utilisation véhicule. Ça, c'était les problématiques. Après, les solutions. Mobilité, mettre en place des aides financières à la mobilité géographique, par exemple, pour accéder à un emploi. Prendre en compte la spécificité de l'Île-de-France avec de nombreux modes de transport et des durées de trajets importants. Le constat est que les coûts des transports en commun soient élevés et tiennent une place trop important dans le budget. Transport en commun, besoin unanimement exprimé de plus de transport à l'extérieur de la capitale, la mobilité devient bien plus compliquée qu'on est en dehors de Paris. Coût plusieurs pistes. Alors, gratuité des transports en commun pour toute l'Île-de-France indépendamment de la CMUC. Étude d'un ticket unique permettant d'enchaîner bus, métro et tram. Ne pourrait-on pas envisager un prix modulable du pass Navigo en fonction de la date d'achat dans le mois? La question des transports en commun devrait être liée à la question de la pollution. Proposition d'un ticket gratuit. Tout transport à la journée en cas de pollution. Ce titre serait financé par une taxe sur les voitures circulant durant ces pics de pollution. Taxe sur les véhicules qui circulent en ville pour payer les transports en commun. Le salarié a 50% de son titre de transport en charge par l'employeur, envisager une extension de ce mode de cofinancement à d'autres publics, personnes en recherche d'emploi par exemple. Les titres de transport doivent être pris en charge à 100% par les employeurs. Supprimer le délai d'un an pour obtenir la réduction des frais de transport, l'AME par exemple. Supprimer le délai d'un an, pardon, les personnes... Alors, RQTH ou ayant un enfant handicapé doivent pouvoir... avoir des aides spécifiques pour les transports. Les centres doivent remettre à disposition des carnets de tickets de transport comme avant. Cela doit être prévu dans le financement des associations. Et pour finir,
Alors, par exemple, un handicap, le manque de moyens d'accès, l'accessibilité, manque d'équipement dans les gares, des difficultés d'accès à l'emploi dues aux problématiques des transports, suppression d'arrêts dans les gares, impact, le retour à l'emploi. L'ORE, offre raisonnable d'emploi. Le demandeur risque la radiation, plus de RSA, plus d'indemnité pour l'emploi. Et les critères, pour l'ORE, il y en a 5. Le métier, CDD ou CDI, le salaire, temps partiel, temps plein, zone géographique, temps de trajet. Merci. Merci à Zedine. Le point de validation du CNPA. Commun pour les ménages les plus modestes. Pas d'opposition apparemment. Si, une opposition. L'engagement des élus et des citoyens pour le CRPABFC, Claude, à présent. Il faut faire quoi là? Il ne marche pas le micro. Oui, c'est bon. Alors, changer le regard sur la précarité. Constat, lorsqu'elles sont sollicitées, les personnes en difficulté le sont davantage pour témoigner que pour apporter une réelle expertise. Les instances de mise en œuvre des politiques publiques sont plus intéressées de remplir leur arrêté de constitution que d'assurer une participation effective des personnes. Les personnes précaires n'ont pas confiance en elles car on leur fait croire qu'elles ne servent à rien et sont dépossédées de leur libre arbitre. Les représentants politiques sont éloignés de la réalité des personnes précaires. Nous sommes capables, nous savons des choses et nous demandons à ce que cela soit reconnu. Les solutions que nous proposons, intégrer un stage Vie ma vie d'au moins 6 semaines auprès des personnes précaires dans les cursus de formation de l'École nationale d'administration, ENA. Merci beaucoup. Lutter contre la participation alibi. Donner plus de pouvoir à la parole des personnes en situation de précarité dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et tenir compte de leurs propositions. Aller plus loin que la simple recherche d'un témoignage des personnes précaires qui émeuvent sur le coup, mais n'ont pas d'application concrète pour développer un vrai système de coopération d'égal à égal entre les pouvoirs publics et les citoyens concernés. Développer le travail pair afin de reconnaître le savoir expérientiel des personnes. Expérientiel, excusez-moi. Définir des critères qualitatifs de participation en plus des critères quantitatifs. Merci. Merci. Merci, Claude. Ferdinand pour le CNPA. On vous entend très bien. Allez-y. Oui. OK, ça y est. Tout d'abord, que le CRPA Bourgogne-Franche-Comté m'excuse d'avoir voulu prendre la parole à leur place. Mais vous constaterez que du CRPA au CNPA, il n'y a qu'un pas que je peux me permettre de franchir allègrement, n'est-ce pas? Alors, pour le CNPA, les élus sont très éloignés des préoccupations et de la réalité de leurs concitoyens. Beaucoup de promesses ne sont pas tenues et leurs actions manquent de transparence. En dehors des élections, il y a peu de contrôle de leurs actions. Voici les solutions que le CNPA met en avant. L'idée est sortie tout à l'heure, on va la reprendre à ce niveau, des stages de pauvreté. Oui, nous demandons au CNPA que les élus effectuent des stages de pauvreté. Ils ne seront pas seuls. Merci. Ils ne seront pas seuls. En effet, ils seront encadrés par des pairs aidants pour qu'ils prennent véritablement conscience de la réalité de la vie sans abri.
le seul mandat, un seul mandat par élu devrait être requis, n'est-ce pas ? Assorti d'un contrat d'objectifs et de performance, avec à la clé une évaluation de ce qui a été fait à mi-mandat. Contrôle des présences et de la participation des élus dans les assemblées où ils siègent. Pas de loi fantôme sans circulaire et décret d'application. Il faudrait des rencontres entre élus et citoyens dans les endroits fréquentés, par exemple les centres commerciaux. Enfin, intégrer des citoyens dans les instances et commissions décisionnaires. Merci. Jocelyn pour Uriops Occitanie. Le micro ? Ouais. Ça fonctionne ? Ouais, c'est bon. Ok, bon, ce sera Daphné. Alors, le lobbying d'entreprise, notamment celles ayant des pratiques polluantes, et les liens étroits que peuvent entretenir les hommes et les femmes politiques avec ces dernières mettent en péril la démocratie et l'environnement. Donc nous proposons de mettre en place des garanties de l'engagement de ces hommes et de ces femmes politiques au service de l'intérêt général et non au service de l'intérêt particulier de quelques-uns. Angela du foyer Péan Mulhouse. Bonjour à tous. Il y a trop d'injustices. Les jeunes ne se sentent pas respectés comme les adultes. Leur parole n'est pas toujours prise au sérieux. Les solutions. Donner plus souvent la parole aux jeunes, comme ce grand débat. Former davantage de professionnels de service public à la psychologie adolescente. Merci. Au tour du CNPA maintenant de nous donner la validation et nous dire pour quelles questions. Stage de pauvreté sur le terrain obligatoire pour les élus, les hauts fonctionnaires et les travailleurs sociaux encadrés par des pères aidants. Peut-être d'ailleurs on pourrait élargir le stage à tout le monde au fond. Ce serait peut-être pas mal aussi. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Un service civique, oui, pourquoi pas ? Ah, il y a encore une... Pardon. Deuxième question. Donc le CNPA met en question, soumis au vote, donner une place aux jeunes dans les instances de participation pour leur donner, permettre de prendre la parole. Pas de carton rouge.